Et salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on est toujours sur Mass Effect. Et puis je voulais aller sur Ilios, sauf qu'on a un message de l'homme trouble. Allez écoutez, donc on va tout de suite y aller. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Toujours avec sa clope ce con là. On va avoir un sacré budget en clope hein. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis. Non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouvez le moyen d'accéder à leur monde. Je m'en charge. J'ai même pas envie de lui parler, c'est un con lui. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec Idea. Elle épluchera leur banque de données à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Merci. J'espère qu'on y va pas direct. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Apparemment. Obligé. Fait chier. J'aurais bien aimé retourner sur Ilios, moi. J'ai envie d'essayer d'être avec Tain. Du coup, il nous manque 4 personnes à recruter quand même. Ça fait pas mal de monde. Ah, j'aurais dû améliorer Tain, du coup. Il est stylé leur vaisseau. Enfin, ils sont stylés. En visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre? J'en sais rien, moi. Ça a de la roche, en fait. Je comprends pas comment ça peut être un vaisseau. C'est sombre par ici. Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc. Le LADAR. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. Merci, Joker. Ça fait peur. Putain, le phare. Elle a allumé les phares. Très stylé. La petite navette, il va vite hein. Mais il est immense le vaisseau, la vache, c'est immense. La musique est très mystérieuse, j'aime pas trop. Oh, il a les yeux rouges, c'est stylé. Je n'ai jamais vu de vaisseau balancé comme ça. Ça ressemble à une ruche. Les balayages radar ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Clairement une ruche. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur. T'as tellement raison, Tain. Maintenant, c'est un peu des pistolets volants. J'ai comparé la signature EM de ce navire aux profils archivés. Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Peut-être que les tourelles de défense ont mâché le travail des Turiens. Les colons disparus sont peut-être dans le coin. Module examiné. Les mêmes conteneurs que sur Horizon. À sa près qu'ils sont vides. C'est chelou. Ça doit être atroce. Piégé dans ses nacelles, à la merci totale des récolteurs. Sa voix est bizarre, mais j'aime bien. Pauvre diable. Cadavre, en savoir plus. Ah, c'est sympa. Je pige pas. Pourquoi laisser traîner une pile de cadavres? Oh, il est stylé son casque. Oh, lui, c'est Ant-Man. Dès qu'ils n'ont plus servi à rien. C'est une mort atroce. Il ne méritait pas ça. C'est comme ça. Le mérite n'a rien à voir là-dedans. Ouais, ça me dégoûte un peu, on dirait des vers. Ouais. Ah, elle est pas passée. Ah non, y'a personne là, pourquoi tu te caranches? J'aime pas trop l'ambiance. Ça me répugne, hein. Faut le savoir. Kit médic, technologie des récolteurs, 7500 crédits. Damn. Qu'il y a de beau là-dedans. C'est un récolteur. À vue de nez, ces ordures se sont amusées à charcuter l'un des leurs. Idea, je upload les données depuis ce terminal. Ida. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Qu'ont-ils découvert? Il y a quoi que ce soit dans ces données qu'on pourrait exploiter? Il ne s'agit que d'expériences préliminaires. Mais elle témoigne d'un fait surprenant. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux
champignons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Ce sont des protéins ? Mon Dieu, les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Mais non. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulation génétique considérable. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Putain. Tu es sûr Et de personne ça Personne ne s'est jamais rendu compte de ça. Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. Trois chromosomes sous-numéraires, structure hétérochromatine limitée, élimination des séquences jugées superflues. Ça ne change rien. Protéin ou pas, les récolteurs sont alliés aux moissonneurs. Nous devons les arrêter. Bordel, pas question de laisser les récolteurs me trafiquer comme ça. C'est à vomir. C'est clair. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant. Let's go. Oh putain. Un tas d'armes. Fusil de précision. Alors là. Oh, let's go. Me dis pas que j'ai un putain de sniper. J'ai un putain de sniper. Let's go. Là, on parle. Là, ça me fait plaisir. Maintenant, on joue au jeu. Oh oui. Ça en fait des œufs. Au plafond, encore de ces conteneurs. Oui. Ça en fait des centaines. Et dans le tas, combien de victimes ? Des centaines ? Beaucoup trop. Tu ne détectes aucun signe de vie dans les nacelles, Shepard. Les victimes ont dû périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. Hop. Enfin, j'ai un sniper. Il n'y a pas eu une once de doute. 15 000 crédits ! Oh là là, on se refait. Là, il y a quoi, il n'y a rien. Pas d'avoir grand chose. Oh, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Je suis très content d'avoir un sniper. Ceux qui ont vu la saison 1, enfin Mass Effect 1, vous savez très bien que c'est mon arme de prédilection. Je n'ai joué qu'avec ça. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instant. Ah. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans. C'est trop gros pour être une coïncidence. J'avoue. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. Bah un peu. C'est très sombre. Bah là, vous faites quoi ? Faut y aller, les gars. Oh la vache. Bien, j'imagine qu'on aurait dû s'y attendre. C'est... Même s'ils capturaient les colons des systèmes Terminus jusqu'au dernier, ils seraient loin de remplir toutes ces nacelles. Bah oui, c'est... Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. C'est immense. Ça fait peur. Mon Dieu, le canapé. Là, sur la plateforme, un panneau de commande. Où sont les cadavres de l'équipage ? Ça ne tient pas debout. Console de commande. Idéa, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque. Je pense que c'est une mauvaise idée de relier. Ils vont nous capturer le vaisseau, genre. Extraction des données en cours. Ça en fait des données. Ah voilà. Je le sentais. Ils nous ont piratés. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Bah voilà. Ils nous ont piratés. Je le sentais. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé. Mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Maintenant, il y a des récolteurs. Ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Ah oui. C'était sûr. À quoi tu t'attendais, Shepard ? Il va nous falloir un coup de main, Idéa. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système. Ah, viens-le. C'était sûr. Ça va nous pirater. Bordel de merde. Oh bah j'ai un sniper. Je dois terminer le téléchargement avant de contourner les systèmes. Débrouille-toi pour faire ça vite, Idéa. Eh. On l'avait accompagné.
Ah, je te baise. Tu m'y es. Mais qu'est-ce qui me tue? Qu'est-ce qui m'a tué? C'est le gros truc bleu? Connexion rétablie. Je dois terminer le téléchargement avant de contourner les systèmes. Débrouille-toi pour faire pas les tuer, là. Regardez, on a de la compagnie. Ah, descends, mon petit gars. Ose. Cible en vue. Augure. Putain, il a encore pris le contrôle. Fait chier lui. Exterminer la ferme. Ok. C'est quoi ça? Oh, c'est un putain de sniper, mitraillette. Okay. Capacité de traitement maximale. Voilà. Prise de contrôle direct. Qu'est-ce que bien la grenade? Vos armes sont primitives. J'en ai supprimé un. Je veux Tain. Votre attaque est une insulte. Mes forces. Dégagez de là. Cache-toi. Mes attaques vous détruiront. Cache-toi de là. Ah, c'est de la merde. Ils sont tous morts avec moi. Réveillez-vous. J'ai plus de balles de snipe. Triste. Tu n'es qu'un porteur entre tes mains. Nous sommes nous. Dégage. Oh, merde. Pas des balles de snipe là. Sinon je prends ça. D'accord. Ah, c'est là-bas. Comme par hasard. Pile là où je suis pas. Quelle tête de neuil. Contacter Normandie. C'est qui, Augure? C'est le chef? Bof, le chef. J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Bon travail. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Idea. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. J'ai cassé mon siège, je crois. Tu as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. Oh. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Ils sont futés. Ça se tient. Ça me paraît pourtant logique qu'ils aient envoyé le message original en tant qu'appât. Non, ce qui est inhabituel, c'est que les canaux de détresse turien sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est corrompu. Donc. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les Donc a écrits. C'est un enculé. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé là-dedans? Cet enfoiré nous a livrés aux mains des récolteurs. Ouais. J'étais sûr qu'il nous planterait. Je le ferai bouffer ses joyeuses. Oh, c'est pas mal. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous de là avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge. Ok, c'est parti. Go, go, go. Ça sent pas bon. Moi je dis ça. Je dis rien. Ok chef, on y va. Go 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 go. T'es sous 7005, pas mal. Je te vois.
Casse-toi. Saleté. Vas-y, on continue, on continue. Go, go, go. On ne s'arrête pas. Dégage. C'est quoi? Oh merde, je suis morte. Pas mal. Quoi ça? C'est quoi cette merde? Quoi qui m'a attaqué là? Ah effectivement c'était vraiment une abomination. Ça m'a dégoûté ce truc là. Il c'est 4 à pattes. Pas mal mon arme. Balanced. Où est-ce que je suis? Où allez-vous? Par là-bas. Faut aller où? Pam, pam. I don't know, man. Je sais pas où il faut aller. C'est con quand même. Avance. Là, là. Je sais pas du tout. Je suis un peu perdu. J'ouvre une porte de l'autre côté de la pièce. Ah oui, c'était par là. C'est quoi ça? Oh putain, il est intuable lui. Je suis attaqué par les C4. Je le raciste. T'as plus de vie là, j'aime pas trop. Ah, il est où le machin? Il est où mes attaques? On part dans le néant. Voilà! Dégage, saleté! C'est chiant à tuer ça, la vache! C'est très très chiant à tuer! Idea, on a un problème. La porte s'est refermée! Hop! J'ai dû le faire! Là en dessous, c'est par là qu'on a abordé, non? On doit pas être loin de la sortie! Technologie des récolteurs! Terminal de contrôle! C'est un jour de chance, on dirait. Bon, j'ai bien fait d'aller par là! Par là, je sais pas où je vais. J'aurais pas dû aller par là, peut-être. Oh, spécialiste de la déchirure. Excellent. Parce que c'est notre projet. Ta gueule. Ah, je suis bloqué. Dégage toi. Non, je t'ai pas un sniper one shot. Dégage. Tu dégages.
de la merde, ça aussi. Ah, bordel. Qu'est-ce qui m'attaque? Ta mère. Hi. Réchaîne. Cache-toi. Mais cache-toi. Neuil. Si je dois vous faire des dégâts, Shepard, je n'hésiterai pas. Ouais, ouais. Parle plus, s'il te plaît. J'ai plus envie de t'entendre. Putain, c'est tant d'accent. Commandant, désolé de vous mettre la pression, mais leurs armes ne vont pas tarder à s'activer. Vous feriez bien de grouiller, histoire d'évacuer avant qu'ils ne nous coupent en deux. T'as donc pas envie. Oh bah là, la grenade est pas mal. Oh, ça les baisse la grenade, c'est trop bien. Oui, j'en ai autant de zombies. Infernal. Pas mal la grenade, j'ai bien aimé. Là y'a rien. Ah bah voilà le Normandie. Ça commence à urger, commandant. Oui, on est là, on est là. J'ai pas envie de me faire découper. Vous avez entendu ? Tout le monde à bord du Normandie. Bougez-vous. Ah oui, effectivement, ça se rallume. Fait peur. Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Allez, accrochez-vous les gens. 1, 2, 3, let's go. Vite. Oh oh. Ah oui, ils ont un sacré canon quand même. Tu m'étonnes qu'ils nous ont baisé la dernière fois. Je ne pourrais pas jouer les valseuses à l'infini, Idéa. Sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Ah bah lui qui met pas les... l'IA, finalement il l'utilise. Hein. Bizarre. Monsieur Moreau. Fin de la quête. Je crois qu'on a gagné pas mal de thunes. Ah ouais. Pas mal d'améliorations aussi. C'est parfait ça. Vaisseau fantôme. Toulouloulou. Un appel de l'homme troupe, commandant. Ça tombe bien. Vous avez les comptes à régler, je crois. Oh mais non, mais j'aime pas lui parler à lui. C'est un con. Espèce de gros bâtard. Shepard, apparemment, Idéa a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. On ne peut pas se faire vivre. Après Idéa, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux, mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible. Et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. T'es un enculé. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas Idéa. Les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Vous n'avez qu'une utilité. L'information. Si vos données ne sont pas fiables, vous ne me servez à rien. Ce n'est jamais aussi simple. Vous devriez le savoir mieux que n'importe qui. Je me méfierai d'autant plus à l'avenir. Des récolteurs et de vous. L'heure n'est pas aux accusations mesquines. Il reste beaucoup à faire. Petit combat. Idéa a confirmé nos soupçons. Petite clope. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. Un peu tard. J'étais sur le vaisseau récolteur. Pourquoi n'avoir rien dit de ce module d'identification ? Je vous l'ai dit. Idéa vient tout juste de confirmer l'information. Et d'ailleurs, vous n'auriez pas eu le temps de l'extraire. Mais il nous reste plusieurs options. Mm-hmm. Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Clendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Mm-hmm. Et donc ? Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle,
mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. C'est vieux. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Une naine brune? Les naines brunes sont un genre d'étoiles prématurées, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Mm-hmm. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. Bah oui, excusez-moi pour le micro. J'ai dû neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier baroudonneur avant d'être rayé de la carte. C'est quoi l'arnaque? J'ai comme l'impression que ce sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du docteur Chandana peu après le débarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Une part de fumée, toi? Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. Non. La suite des opérations n'en sera que facilitée. Idea, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Ida. Il est chelou, lui. Hein. Avec ses yeux, là. Il tient un aigle. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti. Manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. Ça ne me plaît pas. S'il fait encore un coup comme ça, j'irai lui expliquer personnellement ma vision des choses. Idea, tu es sûr que ce module d'identification fonctionne? Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Mmh. C'est-à-dire? Il doit y avoir une erreur. C'est forcément Idea ne se trompe jamais. La planète d'origine des récolteurs est située en plein cœur du centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Mmh. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. C'est clair. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. Il faut renforcer l'équipe. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs. Encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Oui. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Parce que j'ai envie d'attendre, j'ai envie de faire toutes les quêtes. Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant voilà, de jeter dans la gueule du loup. Renforçons l'équipe. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. Ouais. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, j'espère bien. Vous. Sinon, c'est de l'insubordination. Et t'es mort, après. Neuil. Récupérer. Ok. Je vais vite faire le journal. Toujours aussi... déprimant. Thème aimerait s'entretenir avec N7. C'est quoi N7? Ouais, N7. Ça fait beaucoup. Là, non. On va retourner sur Ilium. Je sais pas si j'ai débloqué des trucs. Là, non. Protection 1 sur 5. Technologie, dégâts. Technologie durée. C'est tout. Parfait. Ça c'est fait, ce n'est plus à faire.
Hop. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je regarde pas, m'en fous. Donc du coup, je suis où là? Cosmodésique. Putain, c'est quoi ça? Encore un nouveau truc. C'est quoi ça? Bon, du coup, on retourne sur Ilium. Eh, c'est un peu illisible, hein. Je veux pas dire. C'est un peu illisible. Nébuleuse du croissant. On n'y voit pas grand chose. Franchement, c'est pas ouf. Ça m'a fait bailler, tiens. Alors, vous imaginez? Hop, on retourne sur Ilium. On a encore 4 choses à faire. C'est pas mal. Merde, pardon. Tain et Jack. Faut que j'améliore Tain. C'est un Drell. Je connaissais pas les Drell. Santé. Non, tu fais des dégâts, toi. Déchirure. Déchirure majeure. Fais-lui mal. Les dégâts. On a pas mal de trucs à faire. On a débloqué un disque DSO qu'il fallait qu'on redonne à quelqu'un. Et d'autres choses. Je vais aller voir Lyra pour voir si elle me peut donner des informations. Galactic News 25. J'ai passé ici ces 2 dernières années. J'avais un objectif. Maintenant que je l'ai accompli, je m'aperçois d'une chose. Dis-moi. De tout ce temps, je n'avais jamais scruté l'horizon. Spectaculaire. Il est spectaculaire. Coucou. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Que puis-je faire pour vous? Vous allez bien? Et pour vous, comment ça se passe? L'information est le nerf de la guerre, Shepard. Vous voulez savoir pourquoi je refuse de me joindre à vous? Moi, j'ai besoin de ces données. L'amitié, la confiance devraient primer sur tout. Mais ça ne marche pas comme ça sur Ilium. Prévenez-moi quand vous déciderez de pirater ces terminaux. Faites ça pour moi et je vous dirai tout. Mais ils sont où? J'aviserai. Si ça peut vous aider, je m'en charge. Sitôt un terminal piraté, un cercle... Oui, j'ai compris. Samara. Je cherche une Asari. Samara. Vous trouverez Dara au relais de transport. Au relais de transport. Où est-ce que c'est le relais de transport? Je vais aller voir à la station de taxi illégale, éventuellement. Ah. Attends, je suis où? Je m'en fous, faut que j'aille par là. Bah oui, normal. Elle est folle. C'est une zinzin. Ah, c'est lui. J'ai trouvé vos données. J'ai surpris votre conversation. Ce sont ces données que vous cherchez? Les archives générationnelles de la famille Kirosa. Vous les avez trouvées? Merci. Toute ma famille se faisait un sang d'encre. Ces données sont irremplaçables. Je n'aurais jamais cru que je remettrais la main dessus. Avec plaisir. Très vite, voilà plaisir. Vos données. J'espère qu'elles vous seront utiles. Vous n'avez pas idée à quel point, humaine. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous avez obtenu ces données, mais merci. Combien? Pour votre peine. Combien de données? Vous n'imaginez pas mon soulagement. Avec merci plaisir, mon petit monsieur. 40 points d'XP, 7 conciliations, 1500 crédits. Décevant. Très décevant, monsieur. C'est ici le taxi? Ah non, c'est pas ici le taxi. Ah non, ce n'est pas ici. Bam, bam. On continue. Aussi nuisible juste avec un contrat et une dérogation? Mais non. On parle des systèmes Terminus. Officier Dara. Tiens, je vais lui parler. Elle sait où est Samara normalement. Je peux vous aider peut-être? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelqu'un? Je veux juste discuter. Du calme, je veux juste lui parler. Quel soulagement! Samara est la première probatrice sur Nos Astra, j'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le piédestal sur le balcon. Ok. Surtout, faites preuve de respect.
Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Sympa. Merci pour tout. Bon courage à vous. Je vais juste voir au salon de tour. Vous saviez qu'Erinian n'adressait même pas la parole aux clients non. C'est ça là. C'est comme si ah non, c'est ce que j'ai acheté. Il y a rien acheté. Il paraît qu'elle a perdu ses filles lorsque les guettes ont attaqué la citadelle. Je vois. J'imagine que c'était un plaisir de traiter avec elle avant cette tragédie. Ouais. Ouais. Donc là, marchand d'armes, il me vend peut-être d'autres trucs. Le magasin est là-bas. Et faites gaffe. Trame dermique. 40% protection. Pas mal. Et voilà, j'ai plus de sous. Merci. Ah, pirater le terminal. C'est ça. Alors. Comment ça va, toi ? Par là. Ensuite, un truc à droite. En orange. Un truc un peu comme ça. Et un truc un peu comme ça. Pas du tout. Un truc comme ça, pardon. Hop, ça s'est piraté. Et du coup... Eclipse devrait putain, c'est stressant. Pour moi, c'est l'avenir. La stratégie de reproduction de mon clan en dépend. Ah, c'est stressant. C'est parfois autre chose qu'à la reproduction. Ah, c'est là. Oh, ils m'ont stressé. Donc c'est ça, les machins qui peuvent pirater. Ça, c'est un autre truc. Ah, non. Incroyable de légaliser un trafic aussi douteux. De toute façon, légaliser, pirater le terminal. Ça. Ensuite ça et ensuite ça. C'est pareil ou... Est-ce que les armes et les armures Gateway seraient sur un chemisier peut-être ou une carte Ah c'est là-bas. Télécharger les données. C'est marrant non? La couleur de peau des Asari et l'effet Doppler. Achète-lui n'importe quoi. C'est marrant non? Toi, tu vas essayer d'entrer chez les commandos. Pourquoi pas? Toutes donc on n'a pas tout piraté là. Je sais pas, il y a quoi là-bas. C'est ça. Parfois, je sais pas. Tu dois tenir ça de ton but à rien de père. Ton but à rien de père. Elle fait partie des derniers représentants d'une espèce quasiment éteinte. Dans quelques générations, il ne restera guère de sang pur à Sari. C'est quand même triste. Ton but à rien de père. Là, si je vais dans le journal, c'est fini ou pas? Yara, piratage du système. Il faut pirater combien? Ce truc là. Détends-toi. Trax n'y verra que du feu, je t'assure. Non, je ne peux pas entrer. Tout est bouclé. Je ne sais pas, des mercenaires d'Eclipse et une probatrice. Personne ne verra le surplus de marchandises. Et c'est grâce à ça qu'on va être riche. Je suis au téléphone. Ok. Faut que je parle à la meuf pour appeler un taxi. Appeler un taxi. Spatioport commercial. Mais oui, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut pirater et tout? S'il y en a beaucoup à pirater, oula. Je sais pas du tout comment ça se passe. Honnêtement. Moi je reprends E2. Tac. Ouais, il y en a, ils sont trop nuls, moches. J'en veux pas de ces saletés. Onde de choc, niveau 4. Majeur. Moi j'aime bien que ça fait beaucoup de dégâts. Tant pis si c'est une plus grosse zone, je veux que ça fasse des dégâts. Boum boum, boum boum. Ah. Où comptez-vous aller comme ça? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez averti. Et cette probatrice qui vient d'arriver, tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes. Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefor. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Ça s'appelle Pete Nefor. C'est un petit gros, il est marrant. Les petits gros, ils sont marrants. Ouais, c'est pas cool. Hein. C'est la vie.
peux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça me paraît suspect. Ok, bah, pas suspect, mais y'a rien. Donc au final, je l'ai dans les PPS. Je vais pas aller à Pitnefort, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action? On s'est retourné d'un coup. Les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flairent la corruption pour faire parler les armes. Ça donne pas envie. Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Vous savez où Dites-moi elle est? Comment trouver la probatrice? Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous scellée. Allez la voir si vous voulez y accéder. Au revoir. Bizarre. D'accord, madame. On fait le tour rapidement. J'ai pas l'impression que c'est grand chose. Ouvrier turien. La police refuse de l'admettre, mais c'est Eclipse qui dirige le quartier. Agent du spatioport. Police. Bon, on peut choisir son arme. Inspectrice Anaya. Bonjour. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour une mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors elle va aimer la nôtre. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Qu'est-ce que vous me cachez? On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident interespèce. Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. D'accord. Comment je me C'est rends au coin de la rue. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires... Ok. Des... Je dois y aller. Elle m'a saoulé, tu vois. Vous voyez, je l'ai passé, genre. Elle bon parlait courage. Trop. Ouais, ouais. On ferait bien de loger cette Samara avant l'inspectrice. C'est ça, Jack. Tu vois, si t'es intelligente. Oh. Une dose de Medigel. Medigel. Ascenseur examiné. Un pas, c'est nécessaire. Anaya nous a dit de vous laisser passer. Faites attention, les mercenaires sévissent. Nous, on attend des renforts. Et rien, on devait garder ce petit surplus de stock. Envoyer le reste à taxe comme convenu. Il ne reste que nous. Marrant les barrières là. Boop. Je sais pas c'est qui, taxe. Aïe. Je suis un peu lourd. Je suis un tout petit peu lourd. Et un chou quoi. Et B. Ah c'est vrai que je peux faire ça. À chaque fois, d'accord. J'oublie. Je m'y colle. Je me déplace, si je le dois. Je me déplace. Pas de problème. Je m'y colle. Ça vous fait chier, ça. Je me mets à couvert. Oula. C'était mes meilleurs soldats. C'est elle, Samara? Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et je m'en irai. Oh, bonjour, madame. Où est-ce que vous l'avez envoyée? Vous croyez que je vais la trahir? Vous n'avez pas idée des souffrances qu'elle m'infligerait. Quel était le nom du vaisseau? Votre survie ne tient qu'à votre réponse, lieutenant. Vous pouvez me tuer, mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Ah. Oui, c'est quoi ça? Allez au diable. Oula. Comment s'appelait le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Puisse la déesse vous accorder la paix. B, mademoiselle. Bonjour.
Mon nom est Samara, servante du code de probation. Ce sont les sœurs d'Eclipse qui encourent mes foudres. Mais je vois trois individus bien armés devant moi. C'est Wonder Woman ou quoi elle ? Sont-ils amis ou ennemis ? Ami. Je suis le commandant Shepard. J'ai besoin de votre aide pour une mission cruciale, Samara. Et j'en suis honoré. Mais je me trouve déjà au cœur d'une enquête. Il me faut le meilleur. Je vais faire face à des difficultés quasi insurmontables. J'ai besoin de l'élite, de vous. Je perçois la sincérité de vos paroles et j'en suis infiniment honoré. Mais la fugitive que je recherche est extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cette humaine probatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi, je serai tenu de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Vous pouvez nous aider. Il doit bien y avoir un moyen de contenter tout le monde. J'entrevois une issue. Pendant ma détention, trouvez le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté. Par où commencer ? Vous avez des pistes ? Pitnefor, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Les mercenaires d'Eclipse s'apprêtent à le tuer. Ah. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder à la base d'Eclipse. Oh oh. Il faut que je retourne à mon poste, et malheureusement, je dois vous demander de me suivre. Merci, Shepard. Comment c'est mon nom ? Je l'ai jamais dit. Ah ah. C'est pas possible, je l'ai pas dit mon nom. Pitnefort, mon ami. À bout de les informations. Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective ? Vous m'avez menti ? Vous avez dit ne rien savoir sur ce qui s'est passé. Je vous donne une chance, une seule, pour revenir sur votre version. Comment ça, être humain ? Non, je suis pas méchant. J'essaie juste d'exporter mes marchandises. Je peux vous aider. Eclipse vous traque. Si vous voulez rester en vie, je suis votre planche de salut. Merci encore, être humain. J'ai fait entrer en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au combat et qui, hélas, est toxique. Tu es con ? Il est possible que j'aie oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. Allez, je m'occupe. Je dois infiltrer la base des mercenaires, et vous allez m'aider. Mais t'es con. Il se trouve que je suis en possession d'un pass qu'on m'a remis pour apporter mes marchandises. Enfin, bien sûr, j'ai dû le leur rendre. Mais j'en ai fait un double. Donc on peut prendre l'ascenseur. J'imagine. Oula. Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son uniforme. C'est un groupuscule dangereux. Voilà, on peut prendre l'ascenseur. Bah écoutez, on continue. Moi je suis chaud patate. Console d'ascenseur. J'en avais marre de votre vieille armure. Rendez-vous dans une armurerie pour la personnaliser. Merci pour. Ah oui d'accord. Pas le temps de. D'arriver quoi. Je suis déjà fait attaquer. Je suis déjà. Shepard, mes analyses confirment que l'agent chimique améliore les biotiques. Cependant, une exposition prolongée peut provoquer de sérieux dégâts cutanés. Je recommande une utilisation limitée. J'aime pas. J'aime pas me faire baiser. C'est pour ça que je vais jeter une grenade. Ouais, cette mécanique, on va dire. Parfait. Tiens, dégage. Saleté. C'est du cum. Ils ont mis du cum. Cassez-vous. Oh, j'ai pris cher. Mais je meurs, je pense. Imagine, si je reste trop longtemps là-dedans.
Fusil d'assaut Simter, Count Jack Jacob. Choix d'arsenal. Shepard. En un seul et unique tir. Pistolet lourd Phalanx. Tain. Mantis encore. Oh oui! Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est par là ou pas? Ah oui, c'est par là. Moi je voulais pas aller par là. Je voulais tout explorer. Demi-tour. Demi-tour. Pat! Eh l'argent. Ça va être une victime un peu. Il y a un pistolet par terre. C'est louche. Coucou. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Tandax. Non, attendez. Je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient. Mais je n'ai pas vraiment tiré. Ok, je le crois. L'uniforme dit crève. Et c'est moi qui vais m'en charger. Non. J'en fais pas vraiment partie. Je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais... je savais pas dans quoi j'embarquais. Moi je la crois. Non, moi je la crois. Va-t'en. Fiche le camp, Elnora. Mais si tu fais un pet de travers, je te retrouverai. Pas mal. Oui, chef. D'accord, je m'en vais. Merci. Au revoir. Kaku, kaku. Moi je suis trop gentil. J'ai l'impression. Télécharger les résultats. Ça, oh, jamais. Les dégâts biotiques encore. Nice! Putain, aujourd'hui j'ai tourné deux épisodes là. Dieu, ils sont longs mes épisodes. Oh, joli. Voilà, ça c'est un sniper. Oh merde. Oh putain con. Mal. Cible en vue. Ah si je touche pas. Ça one shot pas. Rien ne peut m'arrêter. Décevant. Bah alors, bonhomme. Ça met une grenade. Oh joli. Tain, excuse-moi mon grand. Mais tu lui as cassé la gueule à celle-là. En pleine tête que tu lui as mis. C'est mal ça. Hein. Arme lourde. Y'a quoi au fond? Je me brille. Terminal d'Eclipse piraté. Ok, j'ai un petit message bleu. Tac. Après j'ai un message comme ça. Et après. Tic tic. Orange avec un peu de blanc. Putain, dommage, j'étais rapide. Ah, il est là. Hop. Qu'est-ce que ça nous donne? De la sousou. Tatsun. 3000 crédits. Tiens, bien eu, il régale. Bam, 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 bam. Alerte. Oh là, je suis nul. Nouvelle colonne de puissance. Joli tir. Qui m'attaque? Mais pas la tête. Je l'avais pas vu. Quoi là-bas? Je peux y aller ou pas? Non. C'est qu'il y a rien. Terminal d'Eclipse, 6000 crédits, pas mal. Pas mal, Eclipse. Bam, on continue notre épopée. Qui m'a révélé à nous?
Tiens. Oh ça aéro. Comment ça mon bœuf? Aéronef. Comment ça un aéronef? Ça va oui? On vous dérange pas? Ah la salope. Ah il est pas mieux que le tien de tout à l'heure mec. C'est magnifique son tir. Il a fait un deuxième trou de balle. Hop les. Hop les. Ah j'ai loupé. Dernière balle. Voilà. On change. Nouveau pistolet du coup que j'avais jamais essayé. Oh, il y a un viseur. Je déteste. C'est horrible, pourquoi il y a un viseur comme ça? Je vois pas l'intérêt, à part prendre toute la place de l'écran. Allez, on y va. On peut pas partir par là. Top. Un truc en bas là? Non. Eh bien écoutez, on continue. Accumulateur. Donc, là, il y a quoi? Fichier de données, lire. C'est officiel. La petite Elnora est devenue une mercenaire d'Eclipse. Hein? J'ai obtenu mes galons hier soir en tuant ce petit Paulus ridicule. Quelle saloperie! Elle a menti. Boum. Je lui ai fait un joli trou dans sa combinaison. Elle m'a menti. Je suis trop crédule. La salope. Elle nous a menti. Elle n'aurait été la tueuse. Si seulement on l'avait su. On devrait en parler à la détective. Je vais la balancer si je peux. Ah mais elle est horrible cette arme. Change. Ah peut-être pas ça, c'est un peu trop fort. Oh tant pis. Un peu trop fort mais il mérite. Là, il y a des accumulateurs. Ah, alors. Oh, plus des munitions d'armes lourdes. C'est bon, ça. Aéronef. Oh là, comment je vais le baiser avec ça? Ah la vache. Je te baise. J'ai mis la misère. Il revient ou pas? Oh, mal l'arme. Hop les. Oh c'était dur. Il y a un truc là-dedans, j'ai su. Moi j'ai pas des balles de snipe, si voilà. Que l'aéronef c'était un peu trop simple avec cette arme, on va changer. Je pense que c'était censé être dur. Oups. Ok. Tac. Ah ! Ah, je suis passé rapide. J'adore. Is opening. Terminal d'Eclipse. Manifeste de fret. On dirait un manifeste de livraison. La preuve que Pitney Fort a fourgué 2000 unités de Minagen X3 à Eclipse. Et 600 unités de sable rouge avec ça. Ce n'est pas l'info que voulait Samara, mais elle prouve que le Volus est un criminel. La détective Anaya serait sûrement très intéressée. On verra ça quand on aura trouvé le nom du vaisseau. Ouais. Terminal d'Eclipse. C'est comme une saloperie l'autre. Putain. Elle a fait la victime. C'est minable. Nif tu cales. Bonjour monsieur. Oh le gros lard. Ah qu'est-ce qu'il a? Tu es qui? Je suis un dieu biotique.
Mes pensées se matérialisent. Ah oui. Tremblez, créatures inférieures, car je suis l'incarnation du divin. C'est de défoncer. Je ne sais pas à quoi vous carburez, mais je vous conseille de faire profil bas. Vous allez regretter vos insultes. Je suis un ouragan de Kourou qui balaye tout sur son passage comme un ouragan. Un grand ouragan. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, la Sari qui m'a injecté toutes ces drogues était terrifiante. Mais c'est alors fou. Que j'ai senti ma grandeur. Mais tu es fou. Zinzin. Ils ont beau rire quand je tombe. Ils ne savent pas que dans ma tête, je détiens la puissance. Montre-nous. Tremblez. Continuons. Ouais, c'est ça. Allez, au revoir. Attendez, être humain. Vous arrivez juste à temps pour assister à mon triomphe. Le chef des mercenaires est dans la pièce d'à côté. Vas-y, on te regarde. Je vais faire de Wasea mon pantin. 15 crédits que la demi-portion fait pas 5 pas avant de se faire exploser la gueule. Je vais la réduire en morceaux. Pas mal, Jack. Ne peut s'opposer à mes pouvoirs. On vous suit. Chargé. Un vent funeste va s'abattre sur Wasea, capitaine d'Eclipse. Suivez-moi. Ok, j'ai hâte de voir. Il va le surprendre, je sens. C'est qui va nous surprendre. C'était méchant, mais Fandar. Ah merde, pragmatisme. Oups. Moi qui suis gentil d'habitude. On va continuer. Amon Kira soit loué. Oh stylé. Pas mal. Oh oh. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle continue son truc, tranquille. Tout est parti en sucette depuis qu'on a fait quitter la planète à cette monstruosité. Monstruosité? D'abord une probatrice, et maintenant vous? C'est qui? Au moins, je vais me consoler en vous faisant sauter le crâne. Ah bah, moi t'es bête. Oh, j'aurais pas aimé. Ah, putain, c'est vrai que j'ai un gros snipe. Oh, elle est belle celle-là. Ah, elle est morte. On parle pas quand on est mort normalement. Mange ça. Toi tu manges ça. Quel délice. Le manifeste de ce navire doit se trouver quelque part. Datapad de Wasea. Une prototype vient de débarquer. Elle est sans doute à la recherche de celle qu'on a expédiée sur l'AML Déméter. Quand je pense à elle, j'en ai encore des frissons dans le dos. J'espère que celle-ci va pas foutre en l'air toute mon opération. Ça doit être le vaisseau que cherchait l'autre grognasse d'Assari. Grognasse. Au poste de police, lui donner le nom ou passer d'abord la zone au crible. Passer d'abord la zone au crible. On cherche. On a le temps. On va continuer. Oh, ça se trouve, elle va mourir l'autre. Parce qu'on a pris trop de temps. Tant pis. Tant pis, écoute. Ouais, j'y peux rien. Merde, tu con, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Oh. C'est ça. Et après, c'est ça. J'ai eu chaud. Une tentative restante. Oui, elle a dit qu'elle avait que un jour. Ça se trouve, j'ai pris trop de temps, elle va mourir. Oh non. Pas d'avoir grand chose en plus. En plus de ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, et bah je crois que l'inspectrice elle est morte. Oups. On retourne dans le hall principal du spatioport? Oui. Allons-y. J'espère qu'on n'a pas pris trop de temps. Ça fait pas un jour, hein. Ça fait pas longtemps, hein.
Vite, à la police. Merci d'avoir réglé le problème d'Eclipse, être humain. Il leur faudra des mois pour reconstruire leur organisation. Et par pure curiosité, en ratissant leur base, vous n'auriez pas trouvé un manifeste de fret à mon nom? Je le garde. Je vais le garder. On ne sait jamais, ça pourrait m'être utile. Si ça peut vous faire changer d'avis, être humain, vous avez tout à gagner à me rendre ce manifeste. Non. Si vous le donnez à l'inspectrice, votre seule récompense sera une tape sur l'épaule. Ouais. Si vous avez quelque chose susceptible de faire partir la probatrice, allez le lui montrer. Coucou, madame. J'ai le nom du vaisseau. Votre fugitive est partie d'ici il y a 2 jours sur l'AML Déméter. Shepard, vous m'impressionnez. Vous avez tenu parole. Je vais donc faire de même. Oh merde, mon siège, il est cassé, messieurs, mesdames. Je suis prête à partir immédiatement, s'il plaît à vos supérieurs, inspectrice. Comment je vais faire ? Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir et un soulagement d'en sortir vivante. Le Normandie est stationné près du niveau commerçant principal. On se retrouve à bord. Je vais prêter serment de vous servir, de façon à ne jamais devoir choisir entre vos ordres et le code. D'accord. Oh, stylé. Waouh. Par le code, je vous servirai, Shepard. Vos choix seront mes choix. Votre morale, ma morale. De vos désirs, je ferai mon code. Stylé. Waouh. Waouh. I see. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice prêter un tel serment. Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant, il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Vous êtes ma soumise. Je comprends la portée de votre geste, Samara. Merci. Très drôle. En vérité, la vie d'une probatrice est faite de solitude. Force m'est d'admettre que je recherche la compagnie de héros honorables. Voulez-vous retourner à votre vaisseau ? La probatrice. Je veux parler à Anaya. Il faut que je discute avec l'inspectrice. On va parler, puis après on va se laisser, parce que bon, il en dit l'épisode. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Sans vous, je n'aurais sans doute pas vécu assez longtemps pour avoir des petites filles. J'ai trouvé l'assassin. J'ai la preuve qu'Eclipse a tué le marchand Volus. Voyons ce que vous avez là. Intéressant. Mais je ne peux pas le vérifier. Ça ne peut pas constituer une preuve à charge. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'elle fournit. Je m'en remets au jugement de la probatrice. Ah. Merci, Shepard. J'avais des scrupules à faire confiance à une étrangère, une humaine qui plus est. Mais vous m'avez détrompé. Comme tout le monde. C'est dommage que cette Elnora se soit échappée. Mais je l'aurai. Au moins, vous l'avez mise en cavale. Oups. Bon, cela étant dit, je dois vous laisser. Le crime n'attend pas. Pitnefort. J'ai la preuve que Pitnefort trafique du sable rouge et des modes illégaux. Je peux voir ça ? Effectivement, c'est accablant. Je vais envoyer des officiers l'arrêter, lui et ses hommes demain. Merci, avec grosse balance. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous remercier, mais nous gardons quelques liquidités pour les chasseurs de primes. Combien ? Tenez. C'est combien que vous me donnez ? Retournez. Maintenant, au revoir. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Normandie, on a encore des trucs à faire ici. Hein. Et surtout. On sera la prochaine fois, mais on a encore des trucs à faire ici. Et bien, on a fait notre belle balance. C'était parfait. Pitney fort. Je suis toujours interdit de vol. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est bizarre. Du coup, on va regarder vite fait dans le journal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste pas mal de trucs, je crois, ici à faire. Faut que j'aille voir Monsieur Tax, déjà. La probatrice, c'est bon. Niveau, du coup... Ilium. Il faut que je pirate ces systèmes. Ilium aussi. Et il faut que j'aide, du coup... Lyra de Sony. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, j'ai vraiment kiffé tomber ces 2 épisodes d'affilée. On a bien avancé. On a fait mal d'action, puis surtout on s'est pas trop ennuyé honnêtement, il n'y a pas eu trop de blanc ou quoi. C'était vraiment cool, en tout cas j'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Moi je souhaite une excellente journée ou soirée, puis je vous retrouve pour la prochaine. Bye tout le monde.